Chers auditeurs, soyez les bienvenus sur RCF Marne-Ardenne. Voici venue l'heure du culte protestant. C'est le 9e dimanche que le culte protestant dans la Marne et les Ardennes est célébré sur les ondes et non pas dans nos temples. Plusieurs personnes ont proposé leur aide pour l'accompagnement musical de ce culte. Merci à Dorothée Vettel de Charleville. Merci à Marie-Pierre et Or-Anne Carillo de Châlons-en-Champagne. Merci à la famille Pogois et au groupe de louanges de Reims, piloté par Myriam et Azaranevson, qui ont préparé l'accompagnement musical de ce temps de prière et d'écoute de la parole. Avec les moyens du bord, ils ont enregistré les chants chez eux en concertation avec nos pasteurs. En raison des limites imposées pour les regroupements, nous avons enregistré cette méditation. Mathias Randenasul, le pasteur Geoffroy et moi-même dans un studio à domicile. Nous continuerons ainsi diffuser les cultes de la paroisse sur RCF jusqu'au 31 mai inclus et peut-être au-delà. Pasteur Geoffroy, vous êtes dans ce studio aujourd'hui et vous voulez intervenir tout de suite. Oui, Lydie. Puisqu'en raison du déconfinement, je peux me tenir aujourd'hui près de vous, Lydie et Mathias, je tiens à vous remercier pour avoir assuré la continuité du culte de notre Église depuis le 22 mars, avec votre talent et votre dévouement. Je sais, Lydie, que vous avez fait ces enregistrements tout en travaillant, puisque vous faites partie des soignants sur la brèche. Soyez bénis avec Mathias, qui a assuré avec une grande compétence la partie technique et le montage de chaque culte, avant son transfert à RCF. Je voudrais aussi exprimer la profonde gratitude des protestants de la Marne et des Ardennes à Fabrice Gironnet, Christopher Fausten et Jean-Pierre Benoît de RCF pour leur réactivité et leur efficacité. Entrons maintenant dans ce temps de prière. Et nous chantons le cantique numéro 44-15 du recueil « Alléluia ». C'est vers toi que je me tourne. Numéro 44-15. Je veux marcher dans tes voies, je l'ai.
L'amour, c'est la fleur. L'amour, c'est la semence qui a donné naissance à la fleur. L'amour, c'est le sol qui la nourrit. L'amour, c'est le soleil qui lui permet de s'épanouir. L'amour, c'est le parfum qu'elle répond. L'amour, c'est l'œil qui en discerne la beauté. C'est pourquoi Dieu est amour. De lui procède toute connaissance, toute intelligence et tout ce qui suscite en nous le bien. Nous louons le Seigneur avec le psaume 66, versets 1 à 7. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Il changea la mer en une terre sèche, en traversa le fleuve à pied, alors nous nous réjouîmes en lui. Il domine éternellement par sa puissance, ses yeux observent les nations, que les rebelles ne s'élèvent pas. Nous chanterons le cantique numéro 41-28 du recueil Alléluia. À Dieu soit la gloire. Numéro 41-28. Poursuivons notre lecture du psaume 66, les versets 8 à 15. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme et il n'a pas permis que notre pied chancelât. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet,
Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. J'irai dans ta maison avec des holocaustes. J'accomplirai mes vœux envers toi. Pour eux, mes lèvres se sont ouvertes et ma bouche les a prononcées dans ma détresse. Je t'offrirai des brebis grasses en holocauste. Avec la graisse des béliers, je sacrifierai des brebis avec des boucs. Ce passage du psaume 66 nous invite à la repentance. Seigneur Dieu, nous avons suivi nos désirs et oublié ta volonté. Nous avons travaillé pour nous en oubliant que tu es à l'ouvrage, toi aussi, en notre faveur. Nous n'avons été justes ni avec toi, ni avec notre prochain. Mais toi, en Jésus, tu es venu nous rendre justice. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours l'amour de ta parole qui promet et donne ce qu'elle promet. Amen. Nous lisons la fin du psaume 66, les versets 16 à 20. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Ce psaume, vous l'avez remarqué, met ensemble des verbes à la première personne du singulier et d'autres à la première personne du pluriel. Manifestement, ce psaume est né dans une situation de crise et ce mélange de « je » et de « nous » nous rappelle que toute épreuve collective a des conséquences pour les individus et que toute épreuve individuelle comporte aussi une dimension sociale. Ce psaume mêle aussi deux types de prières. Il y a le « nous » de la prière liturgique et stéréotypée et le « je » de la prière personnelle et spontanée. Tout ce que nous opposons d'une manière souvent inutile est ici vécu dans la complémentarité. Dans ce psaume, Israël chante sa joie d'être le peuple de Dieu, et le verset 2 invite l'assemblée à chanter la gloire de Dieu. Le mot « gloire » en hébreu contient deux idées. La première est celle du poids, de ce qui compte, de ce qui a du pesant, et la seconde est celle de la lumière. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. Nous lisons dans l'évangile de Jean,
au chapitre 14, les versets 15 à 20. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Chers amis, chers frères et sœurs, mardi dernier, j'entendais à la radio l'interview d'une économiste qui parlait de la crise économique qui commence à se déployer. Et elle parlait des inquiétudes sur le marché des actions et des produits financiers. Et cet économiste faisait un lien direct entre l'apaisement des marchés financiers et les chances de découvrir bientôt un vaccin contre le coronavirus. Et ce qu'elle disait me semblait illustrer ce fait que nous vivons dans un monde où tout est relié. Même des événements ou des circonstances qui paraissent éloignées les unes des autres. Tout est solidairement relié à tout. Mais, et cela est un constat malheureux, nous faisons l'expérience répétée que malgré le fait que tout soit ainsi relié, attaché, eh bien, en fait, rien ne communique facilement. Malgré l'interaction de chaque partie de la société avec les autres, chaque partie du monde avec les autres, il y a une réelle solitude de chacun. Nous sommes semblables, mais nous ne vivons que le côté tragique de cette similitude en nous opposant les uns les autres au niveau de la société, au niveau de la vie professionnelle et de la vie de famille. Et finalement, si on y regarde bien, chacun est muré dans sa volonté. Alors, semblable aux autres, oui, mais opposé aussi aux autres. Nous avons des intérêts communs, mais nous nous affrontons. Nous nous ressemblons, mais nous restons opaques les uns par rapport aux autres, méfiants. Nous parlons la même langue, mais nous ne nous comprenons pas. Et nous sommes aussi attirés par des logiques de rejet, des logiques d'exclusion, en même temps par les expériences fusionnelles, comme en procurent les totalitarismes et les distractions de toutes sortes qui nous permettent de communier dans une même fusion des corps et des volontés. Ni la politique, ni la culture, ni nos relations interpersonnelles n'échappent à cette réalité qu'il est difficile de tenir ensemble différenciation et fusion, séparation et union, diversité et identité. Et c'est là. C'est là précisément que la page de l'Évangile que nous avons lue révèle sa plus grande originalité. Elle nous montre une scène où Jésus parle à ses disciples, il parle de lui-même, il parle de son Père et du Saint-Esprit, et il parle aussi des disciples eux-mêmes. Et cet enseignement de Jésus nous place au cœur de la relation entre Jésus, son Père, et l'Esprit-Saint. Une relation où chacun est parfaitement différencié des deux autres, et cependant, chacun est parfaitement uni aux deux autres. Le Dieu unique, qui est confessé dans les Écritures et dans l'Église, est en lui-même un être relationnel. Et cette relation, c'est de l'amour pur. Et un amour qui déborde. Le Fils, dans ce passage, demande au Père un consolateur pour ses disciples. Dieu ne peut qu'aimer,
comme le montre cette phrase où Jésus dit à propos de son Père « Je suis en mon Père ». Et au verset 11, Jésus a déclaré « Je suis dans le Père et le Père est en moi ». Ils sont deux, ils sont radicalement différenciés et pourtant ils sont unis par un lien parfait, celui de l'amour. Et ce lien est lui-même une personne. Ce lien d'amour qui unit le Père et le Fils donne naissance à un tiers. C'est un peu comme cela existe plus ou moins bien dans une relation amoureuse. Les deux, en s'aimant, créent une nouvelle entité qui est le couple. Ni l'un, ni l'autre, mais une tierce réalité. Être deux qui s'aiment, c'est prendre soin l'un de l'autre, mais c'est prendre aussi soin de son couple. L'histoire d'amour entre deux êtres fait naître une nouvelle réalité aussi tangible que les deux êtres. Avant d'aller plus loin, faisons une petite pause musicale. Avant la pause musicale, nous avons vu comment deux qui s'aiment créent un tiers aussi réel et aussi tangible que les deux. Le Père et le Fils s'aiment et de leur relation parfaite, sans possession, naît l'Esprit. Et à son tour, l'Esprit fait naître une réalité tangible à l'extérieur de lui. Comme d'ailleurs au moment de la création, quand l'Esprit planait au-dessus du chaos pour faire émerger la vie. La création n'est pas un accident. Il est dans la nature même de ce Dieu qui aime de créer un tiers en dehors de lui. Et il était dans la nature même de son amour de faire naître une nouvelle réalité. L'amour est créateur dès les origines. Et à nouveau dans l'Évangile, dans celui que nous venons de lire, l'esprit d'amour plane au-dessus des disciples pour mettre de l'ordre dans le chaos de leur vie, pour mettre de la vie dans leur peur. Je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'esprit de vérité. L'amour est recréateur de vérité après le mensonge. Il est créateur de consolation après la solitude. Il est créateur de communion après le conflit. Dans ce monde, il y a un amour véritable possible. Il nous est offert. Dieu aime. Dieu nous aime. Dieu vous aime. Dieu t'aime. L'amour véritable accepte de ne pas être aimé en retour. Toute l'histoire biblique, d'ailleurs, illustre cette vérité. Mais si l'amour véritable accepte de ne pas être aimé en retour, il est aussi dans sa nature de s'offrir à nouveau, sans cesse. « Je reviendrai vers vous, » dit Jésus. « Je ne vous laisserai pas orphelin, » ajoute-t-il.
en Dieu. L'amour qui unit le Père, le Fils et l'Esprit est parfait. Et cet amour nous a donné la vie. Il a fait de notre monde une réalité tangible. Et malgré tous les reniements du genre humain, Dieu continue de nous appeler à participer à ce dynamisme de l'amour. Il continue d'espérer notre amour en retour. Il continue de l'attendre. Il revient vers nous. Entrer dans cette relation d'amour implique pour nous de reconnaître quelque chose d'un peu difficile. Entrer dans cette relation d'amour implique en effet de connaître un peu de l'intérieur quelque chose de la souffrance de Dieu quand il est rejeté par les hommes. Cela implique surtout recevoir cet amour toujours infiniment plus grand que nos trahisons. Je voudrais aborder encore quelque chose d'un peu délicat. Quand Jésus dit « Je ne vous laisserai pas orphelin », cela signifie que nous devons nous reconnaître comme orphelins. Être orphelin n'est pas seulement un statut social. C'est aussi, dans ce passage, un statut spirituel. Être orphelin est une douleur pour ceux qui en font l'expérience. Mais ne pas se reconnaître orphelin est un aveuglement. Nous préférons souvent nous donner la vie à nous-mêmes. Nous prétendons nous donner à nous-mêmes la vie que nous voulons, la vie que nous prétendons. Et nous voulons être à l'origine de notre propre vie. Une sorte de self-made man ou self-made woman. Nous voulons que, nous jugeons que, nous estimons que, nous pensons que, et nous agissons en conséquence. Nous vivons comme si nous étions notre propre origine. Nous sommes habités par notre propre amour et notre amour propre, souvent d'ailleurs sali par la vie. Se reconnaître orphelin est la condition première pour revenir à la source de la vie, qui est l'amour, qui est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, qui seul peut nous convaincre que nous appartenons à l'amour pour l'éternité, parce qu'il demeure en nous pour toujours. Se reconnaître comme enfant de l'amour, c'est entrer dans une vie où notre volonté compte moins que la volonté de celui qui aime notre vie. Voilà pourquoi Jésus parle d'obéissance à la parole de Dieu. Il s'agit d'obéir à l'amour, de le suivre. Jésus en a donné l'exemple à Gethsémané en priant « Non pas ma volonté, mais ce que tu veux. » Et il nous a enseigné à prier ainsi « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Au tout début de ce passage, Jésus dit « Si vous m'aimez. » Il ne s'agit pas d'adhérer à une doctrine. Il s'agit d'aimer. Il s'agit d'aimer celui qui aime, celui qui nous aime d'un amour infini, celui qui t'aime d'un amour infini et qui a donné sa vie pour toi. Amen. Thank you.
nous chanterons le cantique 3507, Saint-Esprit, Dieu de lumière. Strophes 1, 2, 3 et 5 du recueil Alléluia. Numéro 3507. En communion avec l'Église universelle, nous confessons la foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Oh,
prions. Notre Père aimant, alors que notre monde est confronté à des difficultés sans précédent, nous te remercions de nous renouveler ta confiance au milieu de ce chaos. Nous nous réjouissons d'avoir un Dieu dont l'amour est si constant. Dieu souverain, nous te prions de nous accorder la sagesse en ce moment où nous cherchons à apporter de l'espoir à nos nations, églises et communautés respectives. Nous te demandons d'inspirer les dirigeants de nos pays respectifs alors qu'ils cherchent à discerner la meilleure façon de réagir à la crise qui se déroule actuellement et à ce qui pourrait se produire ensuite. Nous te prions de nous inspirer alors que nous cherchons et imaginons ensemble de nouvelles manières de favoriser notre rencontre avec la Bible. Que ces efforts assurent et reconfortent ceux qui sont souffrants, qui éprouvent du chagrin, qui ont peur, qui se sentent seuls ou qui sont dans le désespoir. Dieu de fidélité, nous sommes reconnaissants de pouvoir nous tourner vers ta parole contenue dans les Écritures saintes pour recevoir de la force dans les moments difficiles afin que tout le monde puisse accéder aux richesses intemporelles qu'elles contiennent. Seigneur Dieu, toi qui pourvois à nos besoins, nous te présentons les nombreuses entreprises, organisations et personnes affectées par la détérioration de la conjoncture économique mondiale entraînée par le coronavirus. Nous plaçons notre confiance en toi et prions que cette situation se traduise par un véritable changement dans le monde, suscitant un déversement sans précédent d'amour, de générosité et de solidarité. Nous prions encore en prononçant ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Chantons le numéro 5309 du recueil Alléluia, souffle, souffle de Dieu. Numéro 5309. So
Frères et sœurs, Dieu d'amour, tu nous as réconciliés avec toi par la mort et la résurrection de ton Fils. Donne-nous, Seigneur, d'aimer ta parole et de la suivre afin que nous puissions t'aimer et vivre de cet amour. Que cette journée nous y prépare. Pour cela, le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Amen. Retrouvez le culte protestant tous les dimanches matins sur RCF à 10h, ainsi que le jeudi de l'Ascension, le 21 mai, toujours à 10h. Bon dimanche et bonne semaine. Nous chanterons le numéro 41-29 du recueil Alléluia. Dieu Tout-Puissant. Numéro 41-29.
Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre, à vaincre en comptant sur lui. S'il nous faut vraiment sincère, à chercher la sainteté, il écoute nos prières, et quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt